le scénario qu'on a était déjà planifié. Et on a mis simplement on a mis l'Ukraine, la Russie dans une situation où elle ne pouvait pas ne pas agir. Vous allez me dire comment? Alors là aussi, de nouveau, nos médias sont extrêmement discrets. Mais vous vous rappelez sans doute qu'à partir du 19 février, du 11 février, Joe Biden a dit: je sais que les Russes vont attaquer. Et il a dit: ils attaqueront le 16 février. Je vais vous dire pourquoi le 16? Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans le Donbass le 16, vous apercevez que le 16 février, c'est le moment où l'artillerie ukrainienne a commencé à pilonner le Donbass. Mais en multipliant par 20 ou 30 ou 40 la densité de feu tiré sur le Donbass. Et ça ne venait pas du hasard. En mars de l'année passée, mars 2021, Zelensky a signé un décret pour la reprise du sud du pays et de la Crimée. Et à partir de mars 2021, les forces ukrainiennes se sont rassemblées aux confins du Donbass pour mener une offensive. Cette offensive devant déclencher la réaction russe. Réaction russe qui, elle, devait déclencher la pluie de sanctions qu'avaient prévues les Américains. Et là où on a en fait induit les Ukrainiens en erreur, et de nouveau, je n'invente rien, c'est Zelensky lui-même qui l'a dit à CNN, et il a dit: les Américains m'ont menti, parce que on a fait croire aux Ukrainiens que la pluie de sanctions qui allait se déverser sur la Russie allait provoquer l'effondrement presque immédiat de la Russie et qu'elle serait incapable de continuer son effort de guerre, mais dans l'espoir. On avait l'idée de créer ce qu'on appelle une hyperinflation, c'est-à-dire ce qu'on avait connu en Allemagne en 1929, où les prix augmentent de 1000% par heure ou quelque chose comme ça. Et je vous rappelle d'ailleurs ce qu'a dit votre ministre des Finances, Bruno Le Maire, c'était sur Europe 1, où il parlait, il voulait s'effondrer la Russie et qu'il allait faire souffrir le peuple russe. Parce que c'était ça l'idée. C'était de provoquer une pluie de sanctions telle que la Russie allait s'effondrer. Le problème, c'est qu'ils ont, dans leurs calculs, ils ont réfléchi sur la base de 2014. Je vous ai dit qu'en 2014, les Occidentaux avaient adopté déjà des sanctions, notamment pétrolières, et que ça avait conduit à un affaiblissement de la Russie. Mais je n'ai pas tout dit, parce que la raison pour laquelle ça a conduit à un affaiblissement de la Russie, c'est que ces sanctions se sont superposées à une chute du cours du pétrole qui est arrivée à peu près à l'époque où ces sanctions ont été appliquées. Et du coup, la Russie a perdu pratiquement toutes ses sources de revenus et effectivement, son économie s'est trouvée d'un coup extrêmement affaiblie. Et les Occidentaux ont pensé qu'il fallait rééditer l'exercice en 2022. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est de comprendre qu'on était dans une autre situation. Et qu'en 2022, on sortait de la crise de la Covid, déjà amorcé un mouvement inflationniste un peu partout, et notamment sur les produits pétroliers. Parce que si vous regardez la courbe de progression du prix du gaz et du pétrole, vous apercevez que c'est une inflation qui a commencé bien avant, et qu'elle a commencé en fait l'année passée, bien avant le début de l'offensive russe. Et quand ces sanctions ont été appliquées, elles ont été appliquées, elles ont en fait contribué à accentuer l'effet inflationniste. C'est-à-dire qu'on avait déjà un problème inflationniste qui était dû comment dire, une réduction de l'offre globale, tant en matière de produits pétroliers que l'offre générale.
Et quand on a appliqué les sanctions, on a encore réduit cette offre. Et donc, on a évidemment accentué le mouvement inflationniste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a là une première mauvaise réflexion des Occidentaux. La deuxième mauvaise réflexion, c'est que l'idée que la Russie allait s'effondrer. Et alors, je n'invente rien, hein. Vous pouvez regarder les émissions qui sont extrêmement éclairantes de C'est dans l'air sur France 5, qui sont absolument lumineuses, et dans laquelle on vous répète à l'envi que la Russie a l'économie de l'Italie ou de l'Espagne. Alors, quand on regarde le PIB nominal, on remarque qu'effectivement, c'est à peu près ça. Si on regarde à parité de pouvoir d'achat, c'est pas tout à fait ça quand même. La Russie est un peu au-dessus. Mais admettons qu'on prend ça à dollars ou euros, on compare en dollars ou en euros, on a effectivement une comparaison. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que la Russie, en février, était un des pays les moins endettés du monde. Alors que l'Italie et l'Espagne sont des pays qui croulent sous les dettes. C'est-à-dire que dès que vous modifiez l'équilibre de leurs économies, elles s'effondreraient effectivement immédiatement. Mais un pays qu'on a déjà mis plus ou moins au banc de la société internationale ou de la communauté internationale, qui a donc dû durcir son économie, se rendre, pas autarcique, mais dans une semi-autarcie pour bien des choses, quand vous appliquez des sanctions, de nouvelles sanctions, vous ne touchez plus rien du tout. Et vous touchez un pays qui, au contraire, s'est renforcé et une économie qui est extrêmement robuste. Et c'est la raison pour laquelle, et de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg, c'est le New York Times, qui dit que l'économie russe ne s'est jamais aussi bien portée. Parce qu'en vendant moins, l'inflation qu'il y a, notamment sur les produits pétroliers et d'autres, a fait que les gains de la Russie sont envolés. Et donc, on a effectivement une situation qui va exactement à rebours de ce qu'on voulait. Ce qui montre que les Occidentaux ont appliqué sur la Russie pour contrer la Russie d'une certaine manière, ils ont appliqué un schéma sans tenir compte de tous les autres facteurs. On est de nouveau dans une réflexion que je terrorisme, etc. C'est qu'on est dans une réflexion non holistique. On prend que certains aspects, on se concentre sur ces aspects, puis on croit qu'on va résoudre le problème. Mais chaque problème résulte d'une arborescence de problèmes. Et quand vous ne traitez pas l'ensemble de l'arborescence d'une manière ou d'une autre, eh bien vous retrouvez. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lutter contre la radicalisation, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lutter, notamment par les sanctions contre la Russie. Parce que c'est exactement, on prend simplement qu'un facteur, on se concentre là-dessus et on oublie tout le reste. Mais le monde, il est plus complexe que ça. Voilà.